Oriental poison. Oui, salam alaikum à tous mes très chers abonnés, j'espère que vous allez bien, que toi bien pour vous et que votre mifa se porte bien. Aujourd'hui, toute nouvelle vidéo. Pour cette vidéo, je ne suis pas tout seul, je suis accompagné de Zantar. Salut. Et d'Oussama. Yeah. Aujourd'hui, Oussama va faire un truc de ouf, mais juste avant, n'oubliez pas d'aller voir la vidéo qui est sortie tout à l'heure où j'offre un nouvel animal à ma petite femme. Voilà, c'est un animal de type mignon, très poilu, magnifique. Vous allez voir, allez voir. Vous allez kiffer nos pranks, hein. C'est pas un prank quoi, vraiment. Allez voir, vous allez kiffer la vidéo, on compte sur vous la mif. N'oubliez pas également Live Mixer en description, je suis en live là pendant que vous regardez cette vidéo. Maintenant on arrête de blablater, on rentre dans le délire, commence à appeler. Oussama, qu'est-ce que tu vas faire là? Explique aux abonnés ce que tu vas faire exactement. Alors, c'est super simple. Putain, j'ai fait une intro en 30 secondes, vas-y, vas-y. Waouh. En fait, c'est super simple, on va essayer de se faire passer pour une fille. Et en fait, on va demander des Instagram à des gars. La vie, on va être super malaisante. Allô. Allô, ça va ou quoi? Ça va et toi? Qui veut, ça s'appelle d'où? Et Chirol et toi? Genève. C'est où? En Suisse. Tu fais quoi dans la vie? Moi je suis carreleur. D'accord. Moi je suis étudiante. Ah, t'as quel âge? 19 et toi? 25. Franchement, moi ça me déplaît pas, hein. Moi, j'aime bien les gens plus grands que moi. Ouais, toi, tu t'appelles comment? Sarah et toi? Mustapha. Ah, t'es de quelle origine? Turquie. Je suis déjà parti en Turquie. Où ça? Istanbul. Moi, je suis dans 40. Dans 40? Moi, je suis dans 38. Ouais. Eh, hey, je suis désolé, mais... Bah, à Échirol, je t'ai dit. Ah, c'est où, à Grenoble? Exactement. Ah, moi, j'ai des amis à Grenoble. Mais non. Ouais, à Voirette ou un truc comme ça, là. Ah, mais je connais, j'allais déménager là-bas. Tu connais Chef Septime? Ah non, je connais pas, je suis désolé. Ah, tu connais pas? J'ai un pote à moi, Chef, c'est... J'ai un autre pote, c'est Nadir. Ah, ça veut dire des fois tu passes sur Grenoble? Ouais, pas tout le temps, mais ça m'arrive une fois dans le mois ou tous les deux mois, t'as vu. Bah, ça te dit pas, parce que tu vois là, j'ai plus beaucoup de batterie, tu vois. Ça te dit pas, on s'échange nos snaps ou nos insta? Comme ça, on reprend contact, puisque là, j'ai plus beaucoup de batterie. Ouais, comme tu veux. Vas-y. Attends, je note. Tu veux mon numéro? Dis, t'as snap ou insta? Bah, envoie ce que t'as en Hume ou Facebook, histoire de rester en contact. Bah, je sais pas, comme tu veux soit mon numéro, soit mon Facebook. Vas-y, ton numéro. Facebook, je vais pas tout le temps aussi, tu vois. Bah, vas-y, tranquille, ton numéro, c'est facile. Vas-y, je te donne mon numéro, c'est 07. Ok. Bah merci beaucoup Mustapha. Vas-y, on va. Un message. Ouais, je t'envoie. Vas-y, ok. Vas-y, bisous. Alors, attends. Il t'a dit je viens de Suisse. Ouais. Ça veut dire qu'il vient pas du 40. Il t'a dit je viens d'Ankara. C'est une ville en Turquie. Il a pas dit je viens dans le 40. Il m'a crevé. Il m'a dit ah ouais, toi tu viens du 40, moi je viens du 38. Parce que nous Grenoble c'est 38. Ah mais non, mais parce que j'ai entendu. Il a dit d'Ankara. Ah d'accord, ok. Après, le premier mec, il a réussi. Est-ce que t'as vu comment c'est facile de meuf qui chébra un mec? Ouais. C'est tellement. Eh, expérience sociale. Expérience sociale. C'est tellement facile de récupérer un numéro de téléphone d'un mec quand t'es une meuf que d'un truc inversé. Ah, c'est vrai ça. Est-ce qu'on réessaye? Vas-y, on peut essayer. Réessaye. Expérience sociale, hein. Vas-y. Expérience sociale, hein. On peut remarquer que quand c'est un mec qui essaye d'avoir une fille, c'est hyper compliqué, mais une fille qui veut un mec, c'est plus facile, c'est plus simple, c'est plus simple. Pour changer d'interlocuteur mobile. On a la dalle, les gars. Putain. Allô, ça va? Ça va, et toi? Nickel, t'es d'où? De
Mmh, je suis des Chirols. Tu connais? C'est où ça? C'est à Grenoble. Près de Grenoble? Grenoble, okay, Grenoble. Tu t'appelles comment? Sarah et toi? Et ton vrai prénom, c'est quoi? Sarah. Non, ça c'est le prénom de substitution. À moins que tu dévoiles et que tu me caches ton vrai prénom. On en parlera plus tard. Ah, voilà. Bah, je te donne Abdulhamid. C'est ton vrai prénom, ça, ou c'est ton prénom de substitution? Je sais pas quoi, là. On en parlera plus tard. Mais pourquoi t'as juste ce symbole? Bah, il est intelligent, lui. Mais merde. Allô? Allô? Ça va ou quoi, la miss? Ça va, et toi? Ça va, ça va, ça se passe à Madou. De Grenoble, et toi? Ou à Grenoble. Pourquoi t'es d'où? Moi, je suis de Paname. T'es d'où de Paris? 9-4. Bah, tu sais, c'est pas très long, hein. C'est 3 heures Paris-Grenoble. Ça, c'est 3 heures. En TGV. En TGV, bien sûr, en TGV. Je sais qu'en voiture, c'est pas 3 heures. Bref, on s'en fout de ça. Tu fais quoi dans la vie? Oh, les coups de pression que tu mets. Mais non. Dis pas ça. Je fais mes coups de pression. Mais dis pas ça. Moi, je fais quoi dans la vie? Je fais de l'argent. Ah, bon, ça m'intéresse, l'argent. T'intéresse? Et tu fais quoi? Je suis étudiante. Étudiante, t'étudies quoi, même? Je suis en BTS. BTS, quoi? Anatomie humaine. Ah ouais? Bah, en gros, c'est on prend de l'expérience sur les gens, tu vois. Comment ça, on prend de l'expérience sur les gens? Je te raconterai plus tard, t'inquiète. T'as quel âge, sinon? Moi? Oui. 21. Ah bah ça va. J'ai 19. Ça va, t'es un gars? Non. Je suis choqué là, j'ai une voix de gars moi. Tu peux, hein. T'abuses. Allô? Sois caché. Allô? Faut être caché direct. Faut être caché direct. Allô? Allô, ça va bébé? Déjà? Oui bébé. T'abuses. T'es cash avec les filles? T'es cash? Ouais, bébé. Bah, si t'es cash, envoie ton snap alors. Vas-y. Vas-y, je note. Tire du bas. Ok. C'est noté. Tu Bah, tu sais quoi, je t'ajoute ce soir. Quoi, pas maintenant? Bah, je t'ai parlé un peu avec d'autres gars, tu vois. Mais après, avec plaisir. T'as pas le chat, toi? Bah, je t'enverrai un message, promis. Bon bah voilà. Un numéro et un snap. Un numéro et un snap. En 4 mecs, l'autre il a. L'autre il était. L'autre, en... l'autre tu l'as rien demandé. J'aurais pu l'avoir le 3 numéro. Ouais, ouais. Alors l'autre tu l'as rien demandé, c'est juste qu'il était très méfiant. Soit j'ai coupé l'autre, il était intelligent. Tu vois, il jouait déjà sur les mots, ouais, Sarah, prénom de substitution. C'était une perte de temps. Ouais. Il commençait à faire. Le mec il a regardé comment draguer une meuf sur internet. et l'autre. L'autre, il commençait à repérer ta voix de mec, parce que des fois, ça se repérait un peu. Ouais, parce que, en fait, c'est comme... Lui, d'ailleurs, il peut être... comment on dit ça? Bah, tu t'y connais dans la musique, il faut échauffer la voix. Ah oui, il faut... Oui, oui. Voilà, et là, on a fait... Je me suis entraîné 10 secondes avant. C'est vrai. J'ai rigolé et tout, enfin bref. Mais du coup, bon, voilà, hein, en 4 mecs, 2, 1 numéro, 1 snap, c'est plutôt pas mal. Hein.
Hack, j'aurais été meuf. Oh là là. T'aurais pu avoir un chèque et 80 euros là, entre 3 personnes. T'imagines ? Tu dors jamais dans la rue. T'habites où ? Tu viens me chercher ou pas ? En tout cas, j'espère que ça vous a bien plu cette vidéo. Non mais attends, j'en suis sûr là, tu chopais un mec de Paris, tu l'aurais fait croire, viens se voir. Voilà. Ça aurait été trop marrant. En poste, un noga, on envoie Pedro ou quoi, Panum, avec une caméra cachée. Et le mec, tu donnes un rendez-vous à un lieu devant un McDo. Hein. Ouais. Tu te dis, mets une veste rouge pour que je te reconnais. Voilà. Le mec, un Pedro qui le filme de loin au calme. Le mec est en train de t'attendre à Panum. Il est comme ça. Ouais. Le mec aurait filmé devant McDo, ça aurait été quelque chose. C'est vrai, c'est vrai. Après, le truc, c'est qu'on peut pas juste se permettre de montrer les visages des gens et tout. Ouais. C'est la honte, t'as vu. Je pense que. C'est vrai. Voilà. On est dans une époque où, quand même, on a envie de trouver quelqu'un, tu vois. Peu importe la personne, peu importe le physique, hein. Et là, ils ont la dalle. Hein. Mec, il entend ta voix. Il entend ta voix. Regarde, c'est même pas t'as un zgag. Hein. Bébé, mon amour, mon bébé. Ah, mais t'es et après, sur Snap, et après, sur Snap, mais voilà, en plus, je vais en rigoler, mais sur Snap, ils se moquent des meufs fortes, ils se moquent des meufs toutes maigres, ils se moquent des. Mais en secrète, qu'est-ce qui se passe sur leur téléphone en secrète tout seul quand ils sont tout seuls hein. Il y a des bazooks. Ils ont la dalle, hein, ces ouais, gros bâtards. Ils ont la dalle. Hein. Alors, je parle pas de tous les hommes, je parle de ceux-là là, qui critiquent les meufs, qui critiquent si. Alors que voilà, hein, s'ils pouvaient taper leur cousine, hein, ceux-là. Hein. Bref, allez, la famille en tout cas, prenez soin de vous et de la MIFA. Oui. N'hésitez pas, lien Mixeur dans la description. Ouais, si vous venez nous rejoindre sur Mixeur et vous mettez un maximum de likes. On vous présente Sarah la MIF. Prenez soin de vous de la MIFA. Ciao tout le monde.